Bonjour à tous, ici Goomba80, on se retrouve pour la vidéo numéro 10 des achats du Goomba. Alors, on commence sur Wii U avec Yoshi Woolly World. Petit jeu de plateforme avec Yoshi. Donc pour l'instant, j'y ai pas encore trop joué, en fait, c'est ma fille qui a voulu ce jeu. Comme ça, on peut jouer ensemble, on s'est fait qu'un niveau pour l'instant. On peut voir tous les différents Yoshi. Donc on s'est fait qu'un seul niveau et puis bah pour l'instant il est vraiment pas mal. Avec les différentes transformations et à jouer à plusieurs, c'est vraiment fun. Donc voilà. Yoshi Woolly World sur Wii. Un autre jeu de plateforme, et cette fois-ci sur Switch, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc là, bah, je suis pas mal avancé déjà dessus. Je suis arrivé sur l'île de Donkey Kong, vraiment très 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 bon jeu. Je l'avais pas fait sur Wii U. Et puis là, bah, je me suis rattrapé, et en plus, ma copine a fait une affaire. Là, c'est parce que j'ai pas le ticket, je vous le montrerai sûrement dans une autre vidéo. Elle a eu le jeu au lieu de 60 à 47,90. Même sur Amazon les plus chers, alors ça fait une bonne affaire. Partez à l'aventure quand vous voulez, où vous voulez. Voilà, ça c'est l'avantage de la Switch. On peut jouer n'importe où. Franchement, ce jeu c'est une claque. C'est un jeu que je recommande. Il est vraiment excellent. Je suis impatient de d'acquérir une suite. Oups, sur Switch, on avait entendu en début d'année comme quoi il y aurait Donkey Kong Planet. Après, comment dire, on a eu un peu des infos entre guillemets avec Mario Odyssey, le New Donk City. Donkey Kong City, oh, je sais plus avec la ville là. On a vu un peu des images aussi. Donc là après le nouveau mode funky, je n'ai pas testé, je joue seulement avec Donkey Kong. Et vraiment il est excellent, avec le rhinocéros, le tonneau. Après typique le niveau des wagons, ça vraiment j'aime bien. Puis bah ça fait extrêmement plaisir de retrouver du Donkey Kong. La dernière fois que j'ai joué à Donkey Kong, c'était en noir et blanc. Sur Donkey Kong Land sur Game Boy Pocket. J'ai encore la Game Boy mais j'ai plus le jeu malheureusement. Donc ça fait à peu près 20 ans que j'avais pas touché un jeu Donkey Kong. Il est vraiment excellent. C'est une claque graphique, l'OST est excellente. Alors peut-être que vous aurez une petite démonstration à la fin de la vidéo avec les différents Kong, Dixie Kong, Cranky Kong et Diddy Kong. Alors après, je pensais qu'à la boutique, ça était quelqu'un d'autre, mais c'est encore Funky Kong à la boutique. Et après, comme vous pouvez le voir, enlever le papier, c'est une. Ils avaient fait pareil sur Zelda Link Between World. C'est une pochette réversible. Alors, avec Funky Kong. Avec la petite cartouche. Voilà. Donc voilà, c'était les achats du Goomba numéro 10. Alors après, je pense me prendre. Surtout que là, il ressort le Donkey Kong Returns sur 3DS. Je le cherchais et puis là ils l'ont ressorti en Nintendo Select. Je pense que ça sera l'un des prochains jeux. J'aurais préféré l'avoir sur Switch, mais bon. Déjà sur 3DS, ça serait pas mal. Surtout que j'ai la 2DS XL. Alors, non, la 2DS. Ouais, si, la XL. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les achats du Goomba numéro 10. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé des jeux si vous les avez faits. En tout cas, moi je vous conseille fortement, c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze. Il est indispensable
à la Switch. Quand vous avez fait, admettons, Mario Odyssey, vous avez pas encore testé, mais vraiment en jeu de plateforme, c'est un incontournable. Franchement, ce Donkey Kong, il en jette. Allez, bye, à une prochaine vidéo.